Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à la séance Ville de Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson du lundi 18 novembre 2024. Alors, première chose, ouverture de la réunion et constatation du quorum. Nous avons un quorum à 6 en absence de M. Saint-Aubin. Adoption de l'ordre du jour, est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. Approbation des procès-verbaux, celui du 21 octobre 2024 à 19h, est-ce que c'est unanime? Oui. Administration, finances et qualité des services, nous avons des dépenses de 993 225,97. Est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. Dépôt et approbation des transferts budgétaires, villes et agglomérations, est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. Dépôt et des états comparatifs des revenus et dépenses au 31 octobre 2024 et des projections budgétaires de l'exercice en cours de la ville de Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson. Alors, c'est un dépôt, mais sachez qu'à partir de demain, ça va être sur le site web là, pour ceux qui veulent le prendre. 4E, dépôt, présentation et avis de motion du règlement modifiant le règlement permettant la circulation des véhicules hors route, motoneige ou véhicules tout-terrain sur certains chemins municipaux afin d'y modifier les articles 6 et 10 pour autoriser la circulation des VTT sur le chemin Masson et Entrelacs. C'est la même chose que l'année passée qui nous avait été demandée et le club nous demande de le refaire cette année parce qu'ils n'ont plus le même président, ils n'ont plus le même vice-président, ils sont en train de se rebâtir. Est-ce que c'est unanime? Oui, oui. C'est un dépôt, tout simplement. C'est un avis de motion, on refait la même chose. 4F, dépôt et présentation du projet de règlement et avis de motion du règlement décrétant l'achat de pompes submersibles et purgeurs à l'achat de groupes électrogènes pour le réseau d'égouts municipal et autorisant un emprunt 321 500. Je vous explique, c'est la rue des Pins. Nous avons des pompes qui sont là et on est toujours obligé de venir avec notre groupe électrogène portatif pour quand on a besoin d'électricité. Et quand il y a des pannes. Et là, on va procéder à ce qui était prévu, d'ailleurs, là, de remettre ça en état, les pompes et tout ça. Et en même temps, ça va fournir le 35 logements qui a été commencé cette année. Alors, c'est un dépôt. 4G, dépôt et présentation et avis de motion du règlement. Il y a avis de motion du règlement modifiant le règlement sur la gestion contractuelle. Alors, c'est un dépôt. Quand je vous dis, là, dépôt et avis de motion de règlement et avis de motion de règlement, je vous saute les chiffres. Là. Ça, les chiffres, je ne vous les donne pas, ça ne change rien de toute façon. 4H, dépôt, présentation et avis de motion de règlement et avis de motion de règlement modifiant le règlement concernant la régie interne des séances du Conseil. 4I, adoption de la politique de prévention et de prise en charge des situations de harcèlement, de violence et d'incivilité au travail et du code de civilité au travail. Est-ce que c'est unanime? Oui. 4J, adoption de la politique en matière de drogue, alcool, médicaments et autres substances similaires. Est-ce que c'est unanime? Oui. Adoption de la politique d'utilisation des véhicules municipaux. Est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. Adoption du règlement modifiant le règlement décrétant des tarifs pour les déplacements, les frais de repas et d'hébergement et de représentation des employés municipaux. Nous avons haussé les montants, on était largement inférieurs. Est-ce que c'est unanime? Oui. Adoption du règlement modifiant le règlement établissant un tarif applicable au cas où des dépenses sont occasionnées par des élus municipaux pour le compte de la ville. Exemple, aller au colloque de la FQM. Est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. Dépôt des déclarations des intérêts pécuniaires des membres du Conseil. À moins que je me trompe, M. Van Gansbeek l'a déposé, Mme Lepage, moi je l'ai déposé, M. Baudouin, Mme Raymond l'a déposé. Je ne l'ai pas encore déposé. OK. Vous avez 60 jours à partir, ça veut dire jusqu'au mois de janvier. Parfait. Et M. Saint-Aubin, la même chose. M. Saint-Aubin n'a pas la même date. Il a été élu le 2 décembre. Décembre, donc 60. Il a jusqu'au février pour le faire. 60 jours. 60 jours. Nomination d'un maire suppléant, attendu qu'il est proposé de nommer Mme Joanne Lepage comme maire suppléante. Est-ce que c'est unanime? Demandez un vote, M. le maire. Oui, je demande le vote. Je voudrais aussi Mme Lepage. J'aurais une question aussi. Oui. Comment se fait-il qu'il y en a qui ont eu 2 mois et puis qu'il y en a qui ont eu 6 mois? Pouvez-vous répondre exactement ce que je vais vous répondre exactement, je vais vous le dire devant tout le monde. Ça serait bien. Parce que votre comportement qu'on a vécu
votre manque de discernement dans certaines choses m'amène à penser, et le conseil aussi. Non, c'est qu'il me dérange, ça. Non, s'il vous plaît. Que vous ne pourriez pas nous remplacer et aller à la MRC. Madame Lepage, pour ou contre? Pour. Pour? Pour. Monsieur? Pour. 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 Alors, adopté à la majorité, 5 contre 1. 4 P. Vous attendez, s'il vous plaît. 4 P. Modification à la résolution, formation, rendez-vous, conservation Laurentide, éco-Laurentide. C'était une rencontre qui a eu lieu à Saint-Jérôme, que je suis allé avec Madame Lacoste, parce que Madame Raymond ne pouvait pas être présente, et Madame Lacoste est dans le CCE, donc c'est elle qui l'a remplacée. Est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. Embauche, concours d'emploi, Madame Sarah Mignano, secrétaire de relève temporaire. Est-ce que c'est unanime? Oui. Démission et embauche, concours d'emploi, Madame Marielle Vigneault, qui était secrétaire temporaire, qui a été remplacée par Madame Mignano, mais qui va aussi faire un travail avec, avec Madame la greffière. Est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. 4S, PG Solutions, c'est le renouvellement des contrats d'entretien et de soutien des applications PG Gatest, gestionnaire municipal et accessité données immobilières. Est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. 4T, licence IT Cloud, renouvellement dossier. Alors, c'est pour notre serveur. Maintenant, les serveurs sont... la sauvegarde se fait en ligne. Alors, est-ce que c'est unanime pour un montant de 3 827,98? Oui. Oui. 4U, licence anti-rançon JCL, Sentinelon, renouvellement dossier. C'est en fait une protection informatique accrue. C'est un montant de 5 332,54. Est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. Licence inventaire automatisé, Bellarc, renouvellement dossier. C'est pour l'inventaire automatisé de tous nos appareils informatiques et ça nous donne les temps, quand vienne le temps de les changer. Est-ce que c'est unanime? Oui. Pour 1218 et 74. 4W, FQM, assurance incorporée, renouvellement des assurances générales de la ville. C'est autant pour les services municipaux que le parc de véhicules pour 167 971. Est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. 4X, mandat pour service professionnel pour dossier de nature pénale à la Cour municipale. C'est l'entente que nous avons avec Prévost Fortin Daou, avocat, à 525 par mois pour un montant de 5 243 par année. Est-ce que c'est unanime? Oui. 4Y, adoption de la directive particulière relative à l'utilisation d'une autre langue que la langue officielle. En fait, on vient confirmer dans cette résolution-là que les échanges à la ville sont en français entre les employés, entre le même le haut conseil de ville, sauf certaines exceptions, que ça pourrait être des autochtones ou certaines catégories de personnes. Est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. 4Z, cession du lot 66-51-779 par Mme Marianne Lépinois, rue des Mélèzes. La rue des Mélèzes est une rue qui appartient, qui va en fait appartenir à la ville incessamment, et ça fait peut-être une trentaine d'années que ça avait été remis. C'est en allant sur le chemin maçon, et il y a toutes des corrections à faire pour les lots, pour reprendre ça correctement, et c'est en cours. Est-ce que c'est unanime? Oui. Ça se continue d'ailleurs par la cession d'un autre lot de M. Michel Léonard, rue des Mélèzes, pour un autre bout de rue. Est-ce que c'est unanime? Oui. 4B. B. Approbation du budget révisé de l'Office municipal des Pays d'en haut. Le mois passé, on vous est arrivé avec un montant qui nous a informé que il a été modifié. Alors, c'est un nouveau montant. Au lieu de, on avait 2 900, je pense, à payer, ça va être 3 254. Est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. 4CC, Fédération des municipalités du Québec, renouvellement d'adhésion pour 2025 au montant de 3 971,55. Nous sommes obligés, les villes, de faire partie de soit la FQM ou soit l'UMQ, c'est une obligation. Est-ce que c'est unanime? Oui. 4DD, contribution 2024 aux opérations Nez Rouge, et c'est pour 500 qu'on fait chaque année. C'est unanime? Oui. Oui. 5B, non, attendez, je n'avais pas fait, je vais faire mes... Ouais.
mon rapport. Je peux le faire avant ou après, c'est pas grave. Alors, pour le rapport, s'il vous plaît. Alors, le mercredi 23 octobre, je suis allé au souper de la Fondation médicale des Pays d'en haut, des Laurentides, au Mont-Gabriel. Il y avait énormément de personnes, bien sûr. Ça a été une soirée qui a été intéressante. Ils veulent acheter un IHM là, pour la résonance magnétique. Et donc, c'est leur projet. C'est un projet de 3 millions. Ils se donnent 2-3 ans pour le réaliser, entre autres. Et la Fondation médicale, bien, c'est elle qui s'occupe de l'hôpital Saint-Agathe. Et c'est elle qui aide notre coop. C'est elle qui aide beaucoup d'endroits comme ça. Jeudi 24 octobre, il y avait une activité au Café Marguerite de réseautage avec des citoyens au Café Marguerite. Moi, je suis allé. J'ai été surpris. Ça venait de Val-David. Ça venait d'ailleurs. Et c'est une activité de réseautage, d'échange. Et ils vont être d'ailleurs à notre marché de Noël le 23 et le 24 novembre. Samedi, le 26 octobre, il y a eu le party d'Halloween au Club de l'Âge d'Or. Et je pense qu'on était 45 à peu près, monsieur le Président, à peu près. Et 45, et ça a été une belle soirée. Et étonnamment, beaucoup étaient costumés. C'était même surprenant qu'il y en avait autant. On n'était pas habitués autant. Mercredi 30 octobre, présentation concernant le domaine Ouimet. Vous vous rappelez, on en a parlé tantôt, le domaine Ouimet avait des revendications concernant l'ensablement de leur lac suite aux pluies, aux dégâts d'eau et d'un paquet de facteurs. Et nous les avons rencontrés. Il y avait notre biologiste, M. Stéphane Pilon, qui a une maîtrise en environnement, qui est un spécialiste cours d'eau, lac et fossés. Et on a fait une présentation et ensuite s'en est suivi une visite sur le terrain qu'on m'avait demandé quelqu'un. Il est allé et moi, il y a un rapport qui va être fait, qui va être adressé d'ici une semaine à tout le monde sur les conclusions de tout ça. Jeudi 31 octobre et vendredi 1er novembre, c'était les activités d'Halloween ici. Alors, il y a eu à peu près 250 petits sacs le 30 octobre qui ont été distribués aux enfants qui venaient. Et le 31, c'était pour les 13 ans et plus. C'était quelque chose d'assez particulier. Et il y a eu à peu près 250 sacs qui ont été remis à ceux qui venaient. Le lundi 4 novembre, ça a été le deuxième forum de la députée de Bertrand, Marie-France, France-Hélène Duranceau. Et on était à la place des citoyens. Et là, c'était particulier parce qu'on était une quinzaine de maires, mais qui ne sont pas tous des pays d'en haut, parce que la carte du comté de Bertrand va jusqu'à Rawdon et il y a eu beaucoup d'échanges et ça a été fort intéressant ce qu'on a fait comme journée. Le lundi 11 novembre, une rencontre avec les représentants des 4 syndicats du domaine nature. Et c'est le conseil qui a reçu, on a reçu ces gens-là qui sont venus nous faire part de leur doléance, de leur recommandation de prendre en compte ce qu'ils avaient à reprocher. Et ça contenait autant la sablière que les chemins. Alors ça, c'est en cours. Nous avons informé qu'on a des rencontres avec nos avocats. On est en train de voir qu'est-ce qui peut être fait. On est très près aussi du ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques et de la faune et des parcs, parce qu'ils doivent intervenir. Mais faire bouger un ministère, attacher votre tuque, ça prend du temps. C'est pas évident, mais on a des échanges là-dessus. Mercredi, le 13 novembre, il y avait le rendez-vous Conservation Laurentide 2024, celui qu'on vient de passer où Joanne ne pouvait pas venir. Et ça, ça a été intéressant parce qu'on nous a expliqué un peu les projets, le futur un peu des Laurentides, que c'était important là, de protéger notre environnement. On a passé une journée, il y avait des biologistes, il y avait des conférenciers, il y avait même maître, celui qui était notre avocat pour l'environnement, comment il s'appelait, c'est pas Gilles. DHC, là, je ne me souviens pas de son nom, qui a fait une conférence qui était pas mal intéressante. Jeudi 14 novembre, j'ai reçu la SOPER, j'avais demandé à ce que la SOPER, Société de plein air de la MRC des Pays d'en haut, pour les sentiers patrimoniaux Luc Guindon et Oxford Cambridge. Nous avons reçu les gens du lac Piché, ils étaient 4 environ, qui avaient des doutes sur la protection. Ils ont été rassurés,
on leur a montré les cartes parce que son père était là, Mme Julien était présente, et on leur a montré qu'on ne touche pas à ces sentiers-là. Une information pour vous, un sentier ancien, supposons qu'il fait ce tracé-là, il pourrait très bien être conservé, comme il peut être un peu bifurqué quand les intérêts d'un promoteur ou de quelqu'un qui veut bâtir sa maison le justifient, et c'est tout à fait correct de le faire. Ça, tout le monde le comprenait, et ça a été une bonne rencontre. Le jeudi 14 novembre, l'Assemblée publique de consultation pour la concordance et le règlement d'urbanisme qui a eu lieu ici. Il y avait deux personnes, il y avait Mme Dicker et il y avait moi, il y avait M. Van Gansbeck qui était là. Et donc, on a expliqué un peu comment ça se passait. Il y a eu la grande, au mois d'octobre, vous vous rappelez, on avait fait la grande semaine des tout-petits. C'est ce qu'on porte nous ici présentement, c'est que, en fait, la grande semaine des tout-petits, c'est pour commémorer un peu puis valoriser que les enfants devraient avoir les mêmes opportunités de s'épanouir pleinement, eu égard au milieu où ils naissent, où ils grandissent. Alors, c'est la semaine, cette semaine, c'est la semaine. Maintenant, l'édition Massonnet va sortir fin novembre, début décembre, 1er décembre au plus tard, mais je pense qu'on va l'avoir jeudi. En tout cas, vous allez voir ça. Et c'est pour l'édition, bien sûr, décembre, janvier et février. Le marché de Noël va avoir lieu ici, comme l'année passée, le 23 et le 24 novembre. Et cette année, au lieu de louer, d'acheter un sapin qui est coupé, qui est plus haut, on en a acheté un pour 100 $ de moins et on l'a planté devant l'hôtel de ville. Et il va grandir avec le temps. Il va nous coûter bien moins cher que de payer chaque année. Il est décoré, d'ailleurs, ça a été fait. Alors, je vous encourage à venir. Il y a ce pamphlet-là qui est sur la table, qui est pour le marché de Noël, que vous pourrez voir les boutiques qui sont là. Puis il y a encore l'école hôtelière qui va être là. Par contre, elle ne sera pas là avec le camion qu'ils ont, le food truck, parce qu'il y a une panne. Sur chemin Guénette, la ligne jaune a été faite. Bon, enfin, ça a été une bonne chose de faire. Olympec, maintenant. Bien, ça tombe bien, samedi soir, j'étais chez moi à 9 h, téléphone sonne, c'est M. Richard Stern qui m'appelle pour me donner des nouvelles. En gros, je les résume à peu près comme ceci. Il y aura aussi une partie de tennis que je vais mentionner. Les travaux d'enlèvement des matières contaminées à l'amiante sont maintenant complétés. Tous les tests sont concluants et la firme environnementale responsable, c'est Eco-Enviro de Saint-Sauveur, a émis le rapport final à la CNESST pour revue et approbation. M. Stern me dit qu'il attend incessamment la réponse que c'est correct et qu'aussitôt qu'il va là, aussitôt nous attendons une réponse positive et dès que nous aurons l'autorisation de retirer les équipements et les toiles, bien évidemment, qu'il va falloir qu'ils retirent. Pour les clapets maintenant des anciens bâtiments, vous savez qu'on avait l'hôtel centre culturel, on avait l'ancien log. Alors, présentement, c'est plein d'eau. Alors, l'entente qu'on a, lui, ce qu'il dit, que son ouvrier a regardé, puis il y a vraiment un tuyau qui mène, qui avait été bloqué et qui mène au centre culturel. Alors, on suit ça de près et s'il le faut, on va intervenir avec une pelle là, pour aller bloquer ça correctement. Ensuite, il y avait, et ça leur évite en même temps de porter des masques, des équipements de protection quand on retournera creuser pour aller faire ça, parce que... Ils n'ont jamais porté. Ah, mais ça, il faut se plaindre de la CNESST. Non, vous avez le droit. C'est la santé. Vous avez le droit. Alors, maintenant, il y a le tennis qui est important. Vous savez qu'on a un terrain de tennis. Il y avait anciennement, il y avait quatre tennis. Maintenant, il y a 3 pickleballs qu'on a fait, puis il y a 2 tennis. Alors, je vous avais raconté au mois d'octobre qu'on avait rencontré M. Stern et ma compagnie, M. Tondreau, qui, lui et sa famille, ses deux gars, c'est des mordus de tennis, et on lui avait fait part que contractuellement, il n'est pas tenu de... Il est tenu contractuellement... Au plus tard, deux ans après la construction de son hôtel, de faire des tennis dont nous aurions accès au moins un et que c'est lui qui l'entretiendrait. Tant qu'il n'a pas commencé sa construction, il n'est pas tenu à ça. On lui a fait part que
on pense que ça serait un beau geste de nous aider à remettre ça en état pour faire deux tennis qu'on pourrait arranger la surface. Et on lui a parlé. Il nous a écoutés. On a passé quand même deux heures et demie de temps à peu près avec lui. On a parlé de toutes sortes de choses. Et samedi, quand il m'a rappelé, il m'a dit, j'ai tenu ma promesse, je suis allé voir, j'attends des prix par rapport à ça, et il va me revenir. Il faut juste qu'on sache qu'il est libre d'accepter ou pas contractuellement. Mais nous, on lui a joué une corde sensible en disant, ben, ça serait peut-être un beau geste. Je lui ai même dit, j'ai le meilleur témoin devant moi ici, que ça pourrait rehausser sa cote de popularité, qui n'était pas très, très forte. Et je lui ai dit, vous n'êtes pas celui qui est le plus apprécié. On a passé un bon moment avec lui. C'était quand même correct. Maintenant, le souper de l'âge d'or va se faire cette année à tel local de la belle histoire. Et il y a 60 billets à peu près, je pense, qui ont été vendus. En trois jours, tout a été vendu. C'était 40$. Il va y avoir trois services. Les gens apportent leur vin. Et je pense que ça va être la formule restaurant un peu. C'est que toutes les salles vont être utilisées. Moi, j'ai bien hâte de voir ça. Il va y avoir un orchestre et tout. Alors, qui va être là. C'est Sophie et Étienne, qui tenaient la belle soirée, qui vont faire toute la bouffe, qui vont s'occuper de tout ça. Et Champlain prête généreusement la salle. Il n'y a pas de frais. Et en plus, le menu a été modifié au niveau du plat principal. Au lieu que ce soit du poulet, c'était une macreuse de bœuf, je pense. Et c'est lui qui va payer l'extra. Comme il avait fait en 2016, quand il nous avait reçus et qu'il avait payé toute la bouffe à l'époque. Maintenant, pour les cinq chemins qu'on fait, plus le sixième, qui est la rue du Maçonnet. Alors, ce qu'on nous donne comme résultat pour l'instant, pour la rue du Lac-Marié, entendons-nous, il y a la montée du Lac-Marié, puis il y a la rue du Lac-Marié. Le fossé nettoyage, le fossé empierrement, les ponceaux sont complétés. Les fondations, c'est en cours et ils prévoient de terminer vers le 19 novembre, donc demain. Le nivellement final est en cours et va se terminer le 20 novembre. Et le pavage, c'est le seul chemin qu'on va paver cet automne à cause de sa pente, de son fort débit d'eau dans ce coin-là, pour lui donner un peu de force, et il va se faire le 20 novembre. Pour la montée mariée, qui est beaucoup plus longue, les fossés nettoyage et l'empierrement, bien sûr, c'est fait. Ils sont en train de faire les ponceaux et la fondation va commencer le 25 novembre. Le nivellement final va se faire en 2025 et l'asphaltage en 2025, tel que c'était prévu au contrat. Le lac Charlebois. Fossé nettoyage, fossé empierrement, ponceau et fondation complétés, on s'en va en 2025 pour l'asphaltage. Le lac Croche, 100% complété, fossé empierrement, fossé nettoyage, fossé ponceau et fondation, on s'en va en 2025. Le domaine des lacs, c'est en cours pour le nettoyage des fossés, c'est en cours pour l'empierrement, mais complété pour le nettoyage des fossés à 90%, 95% et pour l'empierrement à 50%. Les ponceaux, ils vont les installer à partir du 25 novembre. Les fondations, à partir du 6 décembre, ils vont le faire. On a des conditions de température qui ont été exceptionnelles. Rappelez-vous que, je pense, c'est quand le 9 novembre qu'on glissait ça? L'année passée, on pouvait marcher sur le lac quasiment, tellement que c'était gelé, puis là, c'est différent. Alors, l'asphaltage va se faire après. Pour la rue du Maçonnet, qui est une rue de la ville qu'on refait, c'est le 25 novembre que ça va commencer. Il va y avoir du dynamitage, de l'excavation. Toute la coupe des arbres a été faite complètement au fond où il va être la virée. La durée des travaux est à peu près 2 semaines approximativement. Et le ponceau en béton sera livré vers la fin décembre. Il y a un ponceau assez particulier qu'il faut mettre. Alors, ça, c'est l'état des 6 chemins. Maintenant, j'avais ça. C'est-tu autre chose? Non. Avec ça, c'est correct. Alors, on va aller au point 5 avec M. Beaudoin qui va nous faire un rapport. Il y a 2 rapports d'activité. Ah oui, c'est vrai, le rapport d'activité. Excusez-moi, puis voir le rapport des finances. On va commencer par Mme Lepage. C'est vrai, il y a finances et activités après. Bonsoir tout le monde.
Ce que j'aimerais vous partager ce soir, c'est les sommes de disponibles dans trois postes budgétaires qui sont les suivants. Et qu'ici, on parle du fonds parc terrain de jeu ainsi que des espaces naturels. Au 31 octobre, on est à 1 679 029 $ et 93 sous. Si on regarde au niveau du surplus accumulé non affecté, solde disponible au 1er janvier 2024, il était de 1 994 174 000 et au surplus au 30 septembre 2024, on est rendu à 1 734 300 $. Ce qui est des fonds d'entretien de voirie locale, nous sommes présentement au 31 octobre. Les sommes disponibles, ils sont de 24 001 $ et 67. C'est tout pour moi. C'est tout. Parce que toujours, encore une fois, le 189 000 servi pour faire la rue du Lac-Marié a été mis sur comme fonds de base. Alors, Monsieur Morin? Pour... Oui, bonsoir à tous. Donc, bon, rapidement, pour ce qui est des communications, la page Facebook, 33 000 personnes ont été atteintes, 450 interactions, 72 clics, 9 nouveaux j'aime, 21 nouveaux abonnés, 3 078 photos vues, 68 partages, 44 publications, 3 bannières, 2 événements. Les publications qui ont été le plus visionnées, c'est les travaux de réfection du chemin à la route numérotée 370. Ensuite, la semaine de prévention des incendies, du 6 au 12 octobre, et puis la sensibilisation à l'utilisation de l'eau potable. Donc, voilà. Pour ce qui est de notre site web, on parle de publication de 8 nouvelles, une bannière et 2 événements. Donc, on parle ici, bon, info-travaux, on parle de sensibilisation à ne pas ramasser les feuilles, essentiellement. Donc, pour ce qui est de l'infolette maintenant, donc, on parle de 705 envois, un taux d'ouverture de 61%. Taux d'ouverture, c'est le nombre de personnes qui ouvrent la lettre, si on veut, l'infolettre. Donc, les liens les plus cliqués, séance du conseil 44, annonce d'Halloween 14. Donc, bon, pour ce qui est de ce qui a été sensibilisé, on parle de stationnement de nuit, le ramonage des cheminées. Pour ce qui est du marché de Noël, monsieur le maire en a parlé, l'informateur le maçonnait également. Donc, je vous donne la parole, monsieur le maire. C'est bon? Oui. Alors, monsieur Baudouin, maintenant pour incendie et sécurité publique. Bonsoir pour les incendies. Bon, il y a eu 20 appels. 3 pour des installations électriques, des alarmes d'incendie, vérification, il y a eu 6 accidents automobiles et il y a eu 4 entraides dans d'autres municipalités. Un mot sur monsieur, on en a parlé un peu, là, les fameux détecteurs. Le mois passé, on changeait d'heure, il ne faut jamais oublier de changer nos piles. C'est quelqu'un qui veille sur nous, hein, les détecteurs, donc c'est juste un rappel de le faire. Et puis, M. Alexandre, il en a parlé au niveau du ramonage des cheminées. À toutes les ans, on en a, donc n'oubliez pas de ramener vos cheminées. Pour les premiers répondants, il y a eu 23 appels, pour un total de 192 cette année. Il y a eu de la pratique au niveau positionnement des véhicules et immobilisation. Bon, là, ça va bien. C'est tout. C'est beau. 5B. ICO Technologies, c'est ceux qui remplacent PG Solutions et c'est un logiciel de première ligne pour la gestion des services incendies. Est-ce que c'est unanime pour 2945 et 83? Oui. Travaux publics, services techniques. Alors, M. Baudouin, pour les travaux publics, services techniques. C'est encore moi. Rapport pour le mois. Réparation des routes, chargement granulaire sur Lac-Piché, Mélèze, Louveteau, Montégagnon, Lac-Claire. Chute Rouge, Lac Saint-Louis, Joli Bosquet. Et on refait des fossés aussi sur Lac des Sommets, Lac Violon, Chemin d'Entrelac, rue du Domaine Ouimette, rue de la Chute Rouge, Louveteau. Il y a du nettoyage, graissage de la flotte. Vous savez qu'il faut mettre nos équipements en neige, donc c'est pratiquement tout fait. Les mécaniciens travaillent très fort pour qu'on soit. On est chanceux, la température n'est pas au-dessus de notre bord. Là, mais. La mécanique va être parfaitement à point. Connotage de nid de poule, chemin maçon des érables, chemin Chersey, sommet vert encore une fois, des lupins, transport de pierre et réserve pour le garage municipal, travaux de rinçage de queduc, Bonnefontaine,
fermeture des parcs, on a nettoyé un peu partout aussi. Un petit mot, vous savez que les premières bordées de neige s'en viennent, alors il faut penser à nos bacs, les bacs de recyclage. Aussitôt les éboueurs ont passé, si on est capable de donner une chance aux gens qui se promènent avec des équipements très grands, très gros, de reculer nos bacs, les mettre sur nos terrains pour éviter qu'il y ait des renversements, bien entendu. Il y en a tout le temps. Les premières neiges, souvent, elles sont collantes, ça fait des méchants bordages. C'est dur de gérer tout ça, ces équipements-là. Oui, on en a des ans qui se font abîmer, des bacs. Alors, pensez-y quand la neige tombe, puis les boueurs passent en même temps, de retirer, pas les laisser sur le bord de la rue. Si on veut que ça soit déneigé largement, bien, on n'a pas le choix, il faut les aider. Dans tous les ans, c'est une demande qui est faite. Alors, c'est tout pour moi. Merci. 6B, embauche, concours d'emploi, prolongation de probation de M. Alexandre Hart, préposé au réseau d'aqueduc et d'égout, chauffeur opérateur. Est-ce que c'est unanime? Oui, oui. 6C, embauche, concours d'emploi, M. Sébastien Clément, chauffeur opérateur temporaire à compter du 2 décembre. Est-ce que c'est unanime? Oui, j'aimerais déclarer mon conflit d'intérêt. D'accord. Alors, le conflit d'intérêt de Mme Lepage. Et pour le reste, c'est unanime. Oui. 6D, affectation, concours d'emploi, M. Régis Poinas, journalier spécialisé, préposé à l'entretien des bâtiments responsable aux loisirs hivernaux. Ça sera compté du 25 novembre 2024. Est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. Résultat d'ouverture des soumissions, salle d'exercice municipal de gym. Ah ben là, ça c'est la catastrophe. Refaire un sous-sol de gymnase, nous avons des prix, je vous les donne. Le plus bas, 718 000, suivi de 875 000, 816 000, 871 000, 896 000, 901 000. Vous aurez compris que la proposition est à l'effet de rejeter toutes ces soumissions. Nous allons rebâtir le projet. On a une nouvelle formule qu'on va prendre pour arriver à des coûts qui sont plus raisonnables. Et pour vous donner un indice, il y a eu 77 questions d'entrepreneurs, ce qui est une première un peu, et dans ce dossier-là. Alors, on vous revient avec autre chose pour qu'on puisse arriver. Mais on sait qu'on a 160 000 de financement acquis. Alors, on ne paiera pas ces sommes-là. Est-ce que c'est unanime? Oui. 6F, immobilisation, rachat du tracteur Kubota avec équipement. Notre ancien Kubota qui était sur le lac, on nous donne 15 000. Alors, on le reprend. On doit remettre à peu près 6 000 dans le fonds de roulement. Il y a 9 200 qui vont rester en excédent. Est-ce que c'est unanime? Oui. 6G, réception définitive et libération de retenue contractuelle, travaux de réfection de la montée Gagnon, chemin maçon, Monco Construction. Alors, c'est un montant de 72 262,67. Est-ce que c'est unanime? Oui. Monsieur le maire? Oui. J'ai un conflit d'intérêt. Oui, d'accord. Alors, vous notez le conflit d'intérêt de Monsieur Baudouin. 6H, immobilisation, achat d'une lame à neige pour la nouvelle chargeuse pelleteuse au montant de 35 000. Est-ce que c'est unanime? Moi, j'ai une question, M. le maire. Oui. Pourquoi on achète une lame maintenant alors qu'on savait qu'on devait acheter un tracteur? Parce que je vous l'ai dit l'autre jour, je vais le répéter devant tout le monde. Ça, c'est ça que vous voulez. Et c'est très simple. Lorsque l'appareil a été acheté, le permis, l'emprunt ne permettait que jusqu'à cette somme-là. Et on avait le choix peut-être de garder notre vieille lame qu'on avait dans l'autre véhicule. Et on a décidé que non, il valait mieux vendre l'autre et de racheter. Est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. C'est unanime? Oui. Oui. 6I, contrat d'entretien préventif de compresseur d'air Atlas au garage municipal. Alors, c'est un contrat pour plusieurs années. Ce n'est pas un contrat d'une seule année. Pour 5 ans, 11 152,48. Est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. Immobilisation, achat de barrières contrôlées pour la signalisation routière amovible sur camionnette. La CNESST est venue, a fait des vérifications et a demandé à ce qu'on fasse ça. Ça coûte 7 705 $. Est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. 6K, installation d'un vaporisateur à feu ouvert pour réservoir de propane au garage municipal pour 13 423 $. Est-ce que c'est unanime? Oui. 7, urbaniste, rapport de Mme Raymond Dabord, environnement. En environnement. Bonsoir, c'est l'heure de l'environnement. Alors, pour les permis qui ont été émis au mois d'octobre,
12 pour les abattages d'arbres, 3 pour les installations sanitaires, 2 pour les puits et 2 pour les travaux de déblais et ou de remblais. L'évaluation des bandes riveraines de cet été. Donc, M. Stéphane Pilon, qui est le conseiller en environnement pour la municipalité, poursuit l'analyse des résultats. Il va les partager ultérieurement avec le conseil, le CCE, c'est le comité consultatif de l'environnement. L'écocentre, est-ce que non? L'éco-centre, merci. On est passé à l'horaire hivernal, donc on est ouvert mercredi, vendredi et samedi. Petit rappel qu'on accepte les produits informatiques et de communication, les appareils réfrigérants, résidus domestiques dangereux, les encombrants, les matériaux de construction. Les branches sont acceptées en ballot, les gros bouts du même côté attachés avec de la corde, pas de la broche, de métal ou autre. Le comité consultatif sur l'environnement on fait des recommandations sur la gestion environnementale des fossés et la lutte à l'érosion. Donc, il recommande aux travaux publics d'allouer des budgets proportionnels aux défis, la formation du personnel, un nouveau cahier des charges et de vie, développer une nouvelle façon de faire et de remplir les objectifs d'adaptation au changement climatique de la ville. Un projet pilote pour la maîtrise de la végétation, donc le projet est reporté au printemps. La température est trop froide pour la reprise végétale. Ensuite, la mise à jour des priorités du CCE du 2023-2025 se poursuit, donc celles qui ont été complétées sont retirées de la marguerite. Est-ce qu'on peut montrer la marguerite? Merci. Les priorités, c'est ça, qui ont été complétées, sont retirées. Il y a des priorités qui sont modifiées et des nouvelles qui sont ajoutées. Donc, aussitôt qu'on en a qui sont complétées, qui n'ont pas besoin d'être refaites, on en ajoute des nouvelles. Ensuite, Myria fait l'IP. Donc, une visite était prévue le 9 ou le 10 octobre. La ville est en attente du rapport final 2024. De la compagnie Phyto. Et cette année a démontré que rien ne vaut une détection précoce des actions rapides et permanentes. Cela indique que nos efforts de contrôle et de surveillance sont efficaces. En variable, il y a des discussions qui se poursuivent toujours sur le financement du comité pour l'encadrement de la navigation des petits lacs et ça avance toujours pour le sentier corridor Lac-Masson pour rejoindre le petit train du Nord. On est en début de la première phase. Et voilà. Merci. Monsieur Morin pour l'urbanisme. Rebonsoir tout le monde. Donc, au niveau de l'urbanisme pour le mois d'octobre, on parle de 35 permis émis, comparativement à 55 pour l'an dernier. Donc, une différence de 20 permis. Pour une valeur totale de 1 879 380. À pareille date, l'année dernière, on était à 2 846 426. 4 nouveaux logements créés, pareil à l'an passé. Maintenant, si on fait la somme de tout ça de façon annuelle, on est rendu à 579 permis émis. On parle de 90 logements créés. On parle d'une valeur de 40 075 000 $. Donc, sensiblement, au niveau de la valeur, c'est la même que l'an passé. Par contre, il y a moins de permis émis, quand même assez une bonne différence compte tenu de 102 permis de moins que l'an passé. Les principaux permis qui ont été émis, là, si on parle de... Bon, ils n'ont pas été... Bon, 3 nouvelles constructions, 2 bâtiments accessoires. Donc, voilà. Pour ce qui est des requêtes maintenant qui ont été acheminées au service de l'urbanisme, pour le mois d'octobre, on parle de 8 nouvelles requêtes, 30 ont été traité. Donc, voilà. Maintenant, pour ce qui est des requêtes annuelles, on est au total de 266 requêtes reçues, 79 complétées. Il y a une petite capsule à côté. Là. Moi-même, je me posais la question lors d'une dernière rencontre, là, à l'effet qu'il y avait eu beaucoup de demandes reçues en peu de temps.
Donc, ça se confirme, là, l'effet que c'est des requêtes qui ont été ouvertes au niveau des bandes riveraines. Donc, ces requêtes-là, éventuellement, vont être fermées au fur et à mesure. Donc, c'est le suivi qu'on a fait au niveau de l'application de la politique de protection des rives. Donc, voilà, M. le maire, je vous redonne la parole. Alors, 7B, adoption du règlement modifiant le règlement adoptant le plan d'urbanisme afin de revoir les normes de lotissement et de développement sous forme de projet intégré. Est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. 7C, adoption du règlement modifiant les règlements de zonage et de lotissement en concordance avec le plan d'urbanisme modifié par le règlement afin de modifier la superficie minimale des terrains et retirer les projets intégrés de certains secteurs. Est-ce que c'est unanime? Je vais avoir des questions, s'il vous plaît. Allez-y. Est-ce que c'est normal que la zone R40... D'abord, la première, je voudrais savoir, la séance du 14 novembre, pour information, elle est tenue quand sur Internet? Le 29 octobre. Okay. Et je veux juste compléter une information là-dessus. On a eu des commentaires qu'on a vus sur Facebook. Ouais. Là, c'est tellement, tellement intelligent là, de la façon que c'est écrit. Et le 29 octobre, c'est toujours 15 jours avant la tenue d'une séance de consultation. Ça a été fait selon les règles que le gouvernement nous édicte. On le fait correctement. Et ça peut vous faire rire, monsieur, mais c'est comme ça que ça se passe. C'est peut-être pas comme ça chez vous. Mais chez nous, c'est comme ça. Et on a fait une publication dans les avis publics. On a fait une publication aussi dans le volet urbanisme. Et c'était affiché dans le babillard qui est ici sur le côté. Et en tout temps, les gens pouvaient le voir. À ce niveau-là, on était tout à fait légal. Monsieur, continuez vos questions. Je continue. La zone R46, est-ce que c'est bien celle qui a rapport avec la Montée-Gagnon et les Quatre-Collines? Je sais pas. Posez comme ça, là. R44, R46 vont être agrandis. Comme mais vous étiez là, vous avez posé vos questions. Monsieur le maire, pouvez-vous, s'il vous plaît, m'écouter? Je pose une question, là. Vous me demandez si R46... Est-ce qu'on a eu un débat concernant les terrains à 4000 m² qui sont trop déboisés et qui fait que toutes les eaux qui viennent d'en haut, parce que c'est une cuvette, entre autres, pour le domaine Louis-May, vont toutes se retrouver chez nous? Vous allez me dire non, parce que M. Pilon l'a fait. Est-ce que je vais revenir? Je sais vos réponses. M. Pilon est retourné et il l'a bien dit à la fin de la séance que les eaux allaient tomber chez nous et qu'on allait augmenter le litre d'eau qui va tomber dans le domaine lui-même. Là, vous me dites qu'aujourd'hui, on va passer un règlement comme par hasard, qu'on a fait, ben, comme par hasard, ça a été fait un après l'autre. Malheureusement, j'ai voté, mais j'aurais peut-être dû lire plus tôt. Nous allons aller faire toute la Montée-Gagnon à 4000 m² pour que toute cette eau-là, tout ce déboisement-là va tomber en bas. C'est ça que vous me dites? Première des choses, ce que vous dites, ce n'est pas exact. On ne fera pas la Montée-Gagnon à 4000 m. On est maintenant à 8000 m partout. Alors, dites-moi pas qu'on est à 4000 m, on ne l'est pas. Quant aux eaux, c'est vraiment un secteur particulier. Il y a 7,5 km d'eau qui arrive là, c'est monstrueux comme eau qui peut arriver. Et quand vous avez des averses, normalement, on peut avoir 200 mm par mois. On a eu 305 mm à un moment donné en deux jours. Ne demandez pas à la nature de vous canaliser ça comme il faut. Ça a été une décharge d'eau. Quand c'est arrivé au domaine Ouimet, c'est dans la courbe où sont les trois ponceaux de 48 pouces maintenant. Tout ça a arraché, il y a même un ponceau qui s'est ramassé à l'autre bout complètement. Tout ce qu'il y avait là s'est mis dans le lac, a ensablé le lac. Et tout ça, on a un projet, je vais vous répondre la semaine prochaine, pour vider ça au complet, pour remettre le lac comme il était. Alors, et c'est la zone R46 que je veux comprendre votre question. Ben, la zone R46 et R44 a grandi. C'est ce qui est près de la Montée-Gagnon qui s'en va vers les Quatre-Collines. Tout ça va être fait à 4000 m². Non, ça va être fait à 8000 m en haut, ce qui est au nord de Montée-Gagnon. Tout l'agrandissement de la Quatre-Collines est à 4000 m². L'eau qu'ils ont, la terre qu'ils ont à 4000 m, c'était quelque chose depuis 2 ans. Qu'ils ont droit, que ça a été accepté, vous avez voté là-dessus. Oui, mais accepté qu'en haut, en haut, ils ont des terres, c'est 8000 m². C'est ça. Alors, est-ce que c'est unanime? Oui. Non pour moi. Non pour vous, madame... Oui. Oui, monsieur. Oui, alors, à la majorité.
On est quoi, 5, 6, c'est à 5 contre 1. 7D, dépôt et adoption du premier projet de règlement modifiant le règlement de zonage et de lotissement pour diverses dispositions. Alors, il va y avoir, notez bien ça, une consultation le jeudi 28 novembre 2024 à 17h30 pour la présentation du projet de règlement. Alors, je répète, le jeudi 28 novembre 2024 à 17h30 et comme la dernière fois, il y aura Mme Sophie Julien qui va être là et je pense qu'on avait Mme Farran qui était là aussi. Est-ce que c'est unanime? Une question? Oui. Est-ce que si les gens viennent, ils ont un pouvoir décisionnel de changement sur ce qui va être fait? C'est une séance de consultation qui permet au conseil de recevoir, autrement dit, les données vont nous être transmises, mais normalement, ce qui va être diffusé devrait, à mon avis, être conforme. Et s'il ne l'est pas, ben, on verra ce qui va être fait. Mais c'est une consultation, ce n'est pas pour une prise de décision. Mais on va écouter ce qui va se dire, c'est sûr. Mais les citoyens peuvent venir... Peuvent, ils vont exprimer. Vous allez en prendre considération. On va prendre ça en considération. Est-ce que c'est unanime? Oui. Cette toponymie, attribution de nouveau... De nouvel odonyme, c'est pour la rue du Domaine Monette qui a été le nom qui a été retenu. Est-ce que c'est unanime? Oui, oui. 7F, toponymie, attribution de nouvel odonyme, demande pour la rue du Sentier des Feuillus. Alors, est-ce que c'est unanime? Oui, oui. 7G, modification des numéros civiques, le 745 chemin de Chaussée devient 5 rue des Murs et 1 rue des Murs parce qu'ils ont fait une petite rue. Puis, la maison du père, la maison du fils de l'autre côté. Est-ce que c'est unanime? Oui. 7H, approbation de paiement, décompte numéro 2, travaux d'aménagement du sentier d'interconnexion corridor Lac-Masson, phase 2. Pour ceux qui ont pu voir, le sentier était fortement arrangé et on passe maintenant chemin des hauteurs, puis on réussit à se rendre près de Haut-Bourgeois, puis je pense que ça va être près de Haut-Mistral, pour nous permettre de se rendre jusqu'à Sainte-Adèle pour se connecter à la piste du Petit Train du Nord. Alors, c'est un paiement de 156 080,70 et est-ce que c'est unanime? Oui, oui. 7I, Éco-Centre, approbation du calendrier des services 2025. En fait, le conseil approuve l'horaire tel que proposé pour un dépliant 2025 accessible sur le site Internet. C'est pas mal pareil, je pense, janvier à avril 2025, 3 jours semaine, mercredi, vendredi, samedi du mois. Mai 25 à octobre 25, 4 jours semaine, mardi, jeudi, vendredi et samedi. Novembre et décembre 2025, 3 jours semaine. Que l'éco-centre soit fermé aussi pour la période des fêtes du 22 décembre au 7 janvier. Est-ce que c'est unanime? Oui. 8A. Rapport des responsables de comité, M. Van Gansbeck, pour les loisirs et vie communautaire. Ah, la bonne humeur, on va mettre ça. Donc, pour le mois d'octobre, comme vous le savez, c'était l'Halloween. Et évidemment, il y avait quelques personnes déguisées, il y avait eu des super beaux costumes. Je vais dire merci aux pompiers d'avoir été là. Non pas parce que je le suis, mais parce que il est arrivé une petite anecdote. La personne qui est sur le banc, c'est moi. Qui faisait peur aux enfants. Effectivement, l'Halloween, j'aime ça leur faire peur. Et s'il n'y avait pas eu un pompier, un enfant, il a eu tellement peur qu'il a failli aller dans la rue, et c'est le pompier qui l'a rattrapé. Donc, c'est pour dire que la prochaine fois, je vais faire attention. Là. Non, ben, il est pas, mais il était là, ça a bien donné. Oui, c'était des vrais os. Il y en a qui étaient, donc, c'était le but de faire peur, comme si je mangeais les enfants. Donc, ça a été un beau Halloween. Après ça, nous avions le lendemain, ici dans l'hôtel de ville, ils ont appelé ça la maison psychiatrique. C'était fou. Je ne peux pas vous expliquer comment on sait que quelque chose va se passer, on comprend, on est adulte, on se dit ben non, voyons donc, il n'y a rien là, je regarde des films d'horreur. Ils viennent tellement vous chercher sur vos psychologiques là, que vous en avez peur à un moment, que même que vous pensez, malgré que je sais que c'est l'hôtel de ville, que vous êtes dans un hôtel psychiatrique, dans un hôpital. Ils jouent tellement bien leur rôle que ça a été extraordinaire. Ils m'ont eu 3 fois qu'ils peuvent. Il y en a même qui sont revenus le faire par après. Donc ça, c'était un très beau succès. Est-ce que ça va être à refaire? On s'en est posé la question parce que c'est quelque chose qui demande beaucoup de gens, beaucoup d'investissements. Donc on verra pour l'année prochaine.
À part ça, le marché de Noël, on en a parlé. Je vous encourage fortement à venir nombreux. N'oubliez pas que c'est tous des artisans du village. Ben, du village. Beaucoup viennent du village, que je connais. Il va en avoir de partout. C'est une belle façon d'aider les gens présentement. Tous ces petits commerces-là ont de la misère. Je peux vous dire, tout augmente. Tout va devenir cher. Fait encourageons ces gens-là avec des choses qu'ils ont fabriquées et qu'on va pouvoir offrir. Puis eux, ça va leur permettre aussi de continuer leur petite entreprise d'artisanat dont on est très fiers à la ville d'aider et de donner à ces gens-là l'opportunité de venir ici. La bibliothèque, ben, ça va toujours très bien. Elle s'investit beaucoup à l'Halloween. José s'est donné aussi, elle a regardé pour les citrouilles, elle a fait des thèmes en bas. Je tire mon chapeau parce qu'elle a mis beaucoup de temps à l'Halloween. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre à part ça? Ben, les activités de la bibliothèque, ça roule, beaucoup de visites. Je vous encourage toujours à aller chercher des livres. Faites attention, la poste est en grève, donc il y a un problème d'échange de livres qui ne se fera pas. Et oui, c'est pas de notre faute. À part de ça, c'était tout. C'est tout ce que j'avais à vous dire pour ce mois-ci. Merci. Merci, monsieur. 8B. Embauche, concours d'emploi de M. Antoine Monette, manœuvre et préposé aux hivers, aux loisirs hivernaux. Est-ce que c'est unanime? Oui. Embauche, concours d'emploi, mascotte pour ce rappel. Est-ce que c'est unanime? Oui. Il s'agit de monsieur... oui, on le dit, c'est écrit. Ah oui, c'est vrai, on ne le dit pas parce que... oui, on le dit, il est écrit, non, en tout cas, pas grave. OK, c'est unanime. 8D, tarification ajout à la programmation des cours et activités des loisirs, est-ce que c'est unanime? Oui, oui. 8E, programmation hiver en fête, samedi, dimanche, 1er, 9, 15 et 23 février, pour un montant de 75 717, est-ce que c'est unanime? Oui, oui. 8F, entente pour l'utilisation des sentiers du parc d'Estérel avec hors limite, renouvellement hiver 2024-2025, il s'agit de Luc et Sidonie, je pense, qui sont là-bas. Est-ce que c'est unanime? Oui. 8G, contrat de service pour l'utilisation du pavillon Violette Gauthier, permet à Mme Josée Boutin pour la location de patins. Est-ce que c'est unanime? Oui. 8H, location d'une roulotte à la patinoire du parc École Saison hivernale 2024-2025 pour une somme de 4 330 $. Est-ce que c'est unanime? Oui. 8I, politique de remboursement des frais pour activités sportives et ententes ski Chanteclerc. En fait, la ville mettait 75, on va mettre 100 $. Le club optimiste met 25. C'est donc une contribution pour les parents qui passe de 100 à 125 et le reste est payé par les parents. Est-ce que c'est unanime? Oui. Excusez-moi, est-ce qu'on a un nombre minimum d'enfants? Je pense qu'on avait un maximum. Ou c'est maximum? Excusez, maximum, je dis. 60. C'est 60, 60. Hein? Voilà. C'est ça. Parfait. 8J, demande d'aide financière pour Emploi Été Canada. On souscrit à ça chaque année. Est-ce que c'est unanime? Oui, oui. Demande d'aide financière à Desjardins pour la fête nationale 2025 d'une somme de 2 500. Est-ce que c'est unanime? Oui, oui, oui. Correspondance, il n'y en a pas à faire nouvelle non plus. Excusez, 2 500, c'est ce qui avait contribué l'an dernier. Là, il y a une demande qui est faite, on ne connaît pas le montant. Une demande qui est plus l'an dernier, il avait fourni 2 500 Desjardins. Mais cette année, on fait une demande, on ne sait pas combien. Ça se dit pour une demande de... On ne sait pas. C'est ça, mais je pense qu'elle a précisé 2 500 dans sa demande. En tout cas, on verra qu'est-ce qu'on aura. Oui, c'est ça. Période de questions. Alors, il faut moins 5. Monsieur, si vous l'allez. Monsieur Richard. Bonsoir. Si vous me permettez, deux précisions avant de poser une question. Allez-y. Pour les bacs, le point de M. Baudouin, j'ai envoyé un courriel à la MRC cette semaine. On a changé, vous avez changé de compagnie. OK? Ouais. On fait maintenant, ou ils font maintenant l'utilisation d'une technologie qui date d'une autre ère. Et ce qui fait que maintenant, ils sont obligés de tirer les bacs, les amener au camion, les virer de bord. Comme avant. Et les décharger, et ils les laissent le plus souvent qu'autrement dans la rue, dans le milieu des entrées, un peu partout. Au point de M. Baudouin pour l'hiver, puis au communiqué qui est en ligne, où on nous dit quand il ne passe pas, laissez vos déchets là pendant 3 jours, ça ne rime pas. Bon, je vais vous répondre à ça. Comme maire qui est à la MRC, on a eu une certaine insatisfaction du nouveau
du nouveau fournisseur, tout ça. Il est revenu à l'ancienne façon, au lieu de prendre des bacs avec... c'est, il y a un gars en arrière qui... Et j'ai vu, moi, sur ma rue et ailleurs, et boy, c'était rock and roll. Et les bacs étaient tout croches et tout. J'ai fait une plainte à la MRC en disant, écoutez, il va falloir qu'on s'occupe de ça. Et ils sont là-dessus, ils sont en train de resserrer là-dessus. Espérons que ça va venir rapidement. Merci. Marguerite des priorités, est-ce que c'est sur le site web, ça? La quoi? La Marguerite des priorités. Madame... Faudrait que je valide demain. Parce que plutôt que de présenter une image qu'on n'a pas le temps de lire et qui est illisible de toute façon... Moi, c'est parce que c'est vraiment écrit petit. Je comprends. On peut le mettre, mieux vaut pas, parce que là, vous dites, vous parlez de la Marguerite, vous parlez même pas de ce qu'il y a dedans. On va le mettre. Okay, vous allez pouvoir le voir. Parfait. Centre culturel. Oui. Actuellement, ça fait 10 ans qu'il y a 70 familles et plus. Vous faites probablement partie de ceux-là, si je m'étire à 100 familles, qui vivent avec un dépotoir. On est toujours en présence d'un dépotoir. Il y a des déchets sur le bord des clôtures. Il y a une façade d'immeuble en décrépitude qui est une honte. Il y a un parapet de ciment qui doit peser 10 ou 20 tonnes, qui pend par deux filets d'acier, qui pourrait tomber sur n'importe quel enfant qui va jouer là. Êtes-vous conscient de ça? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui passe sur la rue Baron en paix de temps en temps? Là, moi, je passe. Je l'ai vu. Quand vous me dites que ça pourrait tomber, je ne dis pas que ça ne tomberait pas, mais je vous avoue que c'est fortement accroché tout ensemble. C'est fortement croche, par deux tiges d'acier? Bien, je pense que... Bien, vous regardez comme faut. J'ai des photos. Okay. On va faire une histoire courte quand même du Centre culturel en vous disant que M. Stern attend la confirmation de CNESST. Si la CNESST ne lui donne pas la confirmation, il ne peut pas enlever l'étoile. Et, attends, vous allez comprendre. Et ça, on n'a pas les mains sur les poignets pour contrôler ça. Si la CNESST retarde, ça va retarder. Le point suivant, M. Stern. OK. Cette situation-là existe, primo, parce que la Ville a émis un permis de démolition sans poser des conditions. Fait que ça, il faut se rappeler ça. Puis il faut que ça soit tenu en mémoire. Vous avez émis un permis de démolition sur une portion de l'immeuble, il n'y avait aucune condition, et la portion de l'immeuble que vous aviez autorisée contenait de l'amiante, et ça, c'est dans le rapport commandé par la Ville en 2012. OK? Fait que ça, là, c'est l'histoire, mais ça, c'est important, parce que nous autres, on a vécu avec ça. Si vous écoutez les nouvelles, il y a deux mécaniciens de la Davy qui réclament possiblement des dommages maintenant pour avoir respiré de la poussière d'amiante sur un bateau. Vous me dites, c'est quoi le rapport? 2% le pourcentage d'amiante. Mais là, la santé publique, elle semble considérer qu'il y a un danger. Avec quoi est-ce qu'on a vécu, nous autres, là, pendant toutes ces années-là? La première chose, et les deux dernières années, je vais juste finir, M. le maire, si vous me permettez. Oui. Parce que vous comprenez que je suis exaspéré, là. Il y a des toiles. Ça fait 3 semaines qu'il n'y a pas un chat qui est allé. Mais il y a peut-être des chats, mais il n'y a pas un humain qui est allé sur le site. Les toiles sont tout déchirées. Ça vole à tout vent à tous les jours. Ça mène un vacarme. C'est un vrai foutoir. Je ne peux pas croire qu'en tant que conseil, vous n'avez pas de fierté. C'est non, zéro ça, fierté. Ça, par exemple, c'est vous de parler de... Et vous nous parlez de tennis. Attendez, ne parlez pas de vous fierté. Vous parlez de tennis avec M. Stern quand vous avez cette affaire-là qui nous pend au bout du nez avec lequel on vit tous les jours. Je vais vous réajuster ça. La première c'est chose. La réalité. OK, mais vous l'avez dit, là, puis on connaît la chanson. Je veux le répéter parce que alors, vous vous occupez écoutez, des écoutez-moi tennis. Bien. Écoutez-moi bien. La première des choses, vous n'avez pas l'air de vouloir comprendre, et les gens qui travaillent avec moi le savent, la CNESST, si elle n'autorise pas de les enlever, ça ne peut pas s'enlever. Puis savez-vous qu'il a fait souvent des patchs qu'il mettait, c'est la CNESST qui l'exigeait, je le sais, on m'en a parlé aussi. Mais ça va se régler, on est à la fin, et il attend son rapport OK, puis il vide tout ça. Monsieur, vous nous voilà. Dites ça depuis le mois d'avril. Bien, qu'est-ce que je voulais que je vous dise, CNESST n'avait pas terminé. Moi, ce qui me fait peur dans tout ça, là. OK, puis là, c'est juste une remarque, vous pourriez y penser, OK? Dès qu'Enviro, c'est lui qui fait les inspections pour Olympique sur le site. Et c'est eux autres qu'on a engagés pour faire l'inspection des travaux sur les 5 routes qu'on refait. Est-ce que je me trompe? Non, c'est pour les matériaux. Faites attention. Non, mais on parle de la même compagnie. Non, attendez un peu. Dès qu'Enviro a un marché pour la qualité des matériaux,
pas pour les travaux, la structure, l'asphaltage et tout. C'est pas ça, c'est des ingénieurs. Dès qu'Enviro doit s'assurer que le trois quarts, autrement dit, le sable est de qualité. C'est pas la même chose. C'est un laboratoire, le Dès qu'Enviro. Mais c'est eux qui font les inspections pour les becs, ou non? Ah, mais ça, allez-vous. Essayez pas de me faire un parallèle en disant que c'est bien et pas bien. Vous n'êtes pas plus expert que je le suis. Non, mais puis dès qu'Enviro a ses certifications. C'est le temps. Non, mais faites attention, là. Non, mais faites attention. Okay. Là, écoutez, de toute façon, vous êtes complaisant en tant que ville avec citoyen qui s'appelle Olimbec contre 70 ou 100 familles qui souffrent de ça. Aucune complaisance, une exigence de la CNESST de décider. Même un ministre ne peut même pas les faire bouger tellement. Alors, vous nous avez exprimé pendant longtemps, votre temps est écoulé. Il y a d'autres questions qui s'en viennent, s'il vous plaît. L'inspecteur qui est en charge de ça. Non, mais là, vous me parlez de... Vous êtes dans la poutine. Il n'y a pas un juge qui peut le renverser. Okay? Sauf que ça ne peut pas prendre 3 mois ou 3 semaines pour faire ce qui est là. Vous l'avez exprimé à plusieurs reprises, ça. Appelez donc à la CNESST, vous. Je suis en contact avec ces gens. Bon, puis qu'est-ce qu'ils vous ont dit? Attendez, on va faire notre rapport. Ça, je le garde pour moi. Okay? Comment? Ça, je le garde pour moi. Ah, ben là, on est en public, mais il garde pour lui. Non, mais vous voulez que nous, on vous donne. Vous avez une responsabilité envers vous. Vous avez fini. Moi, j'en ai pas envers. Votre temps est écoulé, s'il vous plaît. Y a-t-il d'autres questions? Madame Lynn. Bonsoir, Lynn Dufour. Moi, j'aimerais avoir des informations à propos de votre politique de prévention et de la prise en charge des situations d'harcèlement, de violence et d'incivilité. Est-ce que c'est pour la ville, pour les employés de la ville? Vous parlez de violence... D'harcèlement, là. Et... Oui, c'est le gouvernement qui nous oblige à adopter des politiques de protection. Vous savez, il peut très bien y avoir un employé qui va, se prendre avec un citoyen ou avec un autre employé, puis utiliser de la violence, de l'incivilité, puis tout ça. Alors, c'est un programme qu'on... Est-ce qu'on va le voir sur le site? Est-ce que ça va être... Ah oui, c'est... Non. Mais ça, c'est disponible sur le gouvernement du Québec. Non, mais ça va être notre politique interne pour les employés. Ouais. Mais les politiques sont affichées à un moment donné? Pas politique interne. Non. Ah non? Pas absolument. C'est la même chose pour les drogues? Bien, c'est la même chose. C'est que si vous avez un employé qui arriverait, je ne sais pas, moi, sous le matin, là, ou le midi, il va dîner, puis il revient, bien, c'est ça. Il y a une politique de comment l'aborder. Parfait, merci. Exemple, les drogues, nous autres, à la caserne, c'est tolérance zéro. D'autres questions? Alors qu'avant, dans le temps, bien, bien, bien longtemps, bien, ça pouvait prendre un verre de vin ou deux. C'est beau. Monsieur Campeau, vous pouvez vous approcher. En fait, le micro, sachez que nos micros ne sont pas pour entendre dans la salle. C'est permettre à l'enregistrement d'entendre. Fait que même si vous mettez proche... Alors, je suis enregistré. C'est écouté en Russie, un peu partout. CNN. Ben, je pense aussi qu'on est une bonne ville, des gens respectueux. Moi, je me questionne, est-ce qu'il y a une politique par rapport à quand on engage un contracteur ou un... compagnie XYZ sur des travaux faits pour la municipalité, mais qui fait que ces entreprises-là pourraient être considérées comme ayant un passé douteux ou sinon qui sont en poursuite judiciaire. Est-ce qu'il y a quelque chose à la ville qui fait en sorte qu'on refuse des contrats à ces entreprises-là, par exemple? Moi, je ne me souviens pas ici qu'on ait refusé. Moi, je ne m'en souviens pas d'avoir refusé. Par contre, il y a des critères et Madame... Saint-Louis pourrait nous donner. Ils doivent pas être inscrits au registre RENA qui appelle. Le RENA, c'est justement un registre pour les entreprises qui répondent pas à certains critères, qui ont eu des problèmes avec d'autres municipalités, qui ont... Autrement dit, une entreprise... Si elle est enregistrée là... On peut pas faire de contrat avec. Mais une entreprise qui aurait une poursuite présentement ou qui a eu des poursuites dans le passé, dans les 2 dernières années, pourrait faire affaire avec la ville, c'est ça? Présumé innocent, tant qu'il n'est pas... mais sauf qu'il y a des critères là-dedans. Il pourrait arriver qu'il y ait des objections, ça dépend de ce qui est fait, mais nous, comme on dit, on a une liste, on est obligé de tenir à ça, puis on ne peut pas refuser ceux qui soumettent. Mais ça dépend toujours de la valeur du contrat. Ouais. Ça dépend si tu t'en vas en appel d'offres public. Ça dépend si tu y vas de gré à gré.
Il y a des déclarations qu'on demande d'inscrire pour la corruption, pour... Il y a plein de choses. Donc, une entreprise présentement qui a, que la ville poursuit ou qui est en procédure contre une entreprise, celle-ci ne pourrait pas avoir de contrat avec la ville. Monsieur Crampeau, ce n'est pas un gage de poursuivre quelqu'un. Ça ne veut pas dire que vous avez raison ou que l'autre a tort. Okay. Et s'il n'est pas sur la liste, s'il est correct... Si la poursuite prouve qu'il y a... Il y aura des conséquences. Automatiquement sur cette liste. Il y aura des conséquences. Quelles seront-elles sur la poursuite, on verra. Mais par après, sur les autres travaux qu'il a fait, on a des inspecteurs qui vérifient les travaux. Voilà. Ça dépend du contrat aussi. Là. Si on a besoin d'un contrat X, puis que lui, il est poursuivi pour un dossier Y, mais... qui n'a aucun rapport... Non, mais on s'entend que ça... Je pense que vous avez compris, là. C'est beau? Il y avait madame ici. Tantôt, je ne vous avais pas vu correctement. Alors, je reviens, moi, sur... Votre nom? France Lépine. Je reviens sur le domaine WIMET, les problèmes qu'on a face au déversement d'eau, d'abord, dans notre lac, dans nos lacs, parce qu'il y en a deux qui sont impliqués majeurs. Le premier lac du domaine est le deuxième. Le troisième n'est pas vraiment impliqué dans l'ensablement. Grâce à la réunion qu'on a eue l'autre jour, donc je voulais faire une mise au point, j'ai eu la chance d'aller avec M. Pilon faire une visite dans le domaine des Quatre Collines. C'est le biologiste que la ville a engagé. Mm-hmm. J'ai eu cette chance-là. Ce qu'on a vu ensemble, moi, ça m'a perturbée beaucoup. J'avais vu une partie, et c'est pour ça que je vous avais interpellé l'année dernière, au mois de novembre, au marché de Noël d'ailleurs. Donc, ça fait plus d'un an qu'une partie, une section de route a été commencée dans le domaine des Quatre Collines. Cette section de route-là a été déboisée jusqu'à un ruisseau qui alimente un deuxième ruisseau et qui alimente nos lacs. Le déboisement a été fait, aucune protection n'avait été faite depuis donc plus d'un an sur cette section-là de route. C'était du limon dans lequel on calde ça quand on se promène. M. Pilon avait les bottes d'ailleurs bien pleines, moi aussi. On s'est rendu à ce ruisseau-là pour constater, et je cite M. Pilon, « Effectivement, il n'aurait jamais dû déboiser jusqu'au ruisseau tant qu'ils ne sont pas prêts à le traverser. » Mais on le sait depuis le début. Ben voilà. On le sait depuis le début, mais c'est pas ça qui ensable le lac de domaine WIMET. Deuxièmement, ce que M. Pilon a d'ailleurs photographié pendant qu'on était là, il y a une belle tracée de sable qui s'est créée par la nature et qui se déverse dans le ruisseau et qui se dirige vers nos lacs. Et vous nous aviez demandé à la réunion de faire en sorte qu'ils cessent ça et les travaux ont été faits, on les a avisés puis exactement. Ils ont fait. Exactement. Miraculeusement, une semaine, jour pour jour après. Bien, vous n'allez pas nous blâmer d'avoir réussi à le convaincre. Au contraire, je suis heureuse, mais ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi la ville ne s'est pas assurée il y a plus d'un an que ce ruisseau-là n'a pas été protégé. Ça, et ce qui est ma grande crainte, c'est que le développement qui s'en vient, il va y avoir plusieurs ruisseaux à traverser. Et que ça arrive de nouveau. Donc, ça veut dire que les Quatre Collines ne respectent pas l'environnement. Alors, votre question, c'est de savoir qu'est-ce qui va se passer, autrement dit, avec ça. Qu'est-ce que la ville entend faire? Voilà. La première chose que je vais vous répondre, quant à ce que le domaine des Quatre Collines a fait, quand les chemins se font, ceux qui sont des contracteurs là, qui ont fait des chemins de sable, ils obtiennent un CA, un certificat d'autorisation du gouvernement, et les ingénieurs décident avec l'environnement, où seront les ponceaux, les fossés, les niveaux, tout ça. Ça leur appartient à eux de faire ça, de faire ce chose-là. Sauf que nous, la ville, à chaque fois qu'un chemin se fait, on ne s'en va pas tout le temps, on a un inspecteur, il ne va pas se promener partout. Vous l'aviez soulevé, on l'a vérifié, je suis même moi-même allé, et là, M. Pilon est allé, puis ensuite, on a fait les travaux. Parce que le lendemain de la réunion, vous êtes allé avec M. Pilon, et je pense que c'est le deux jours après, suivant, que les travaux ont été faits là-bas. Alors, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on a parlé avec le propriétaire, et il attend son CA pour faire la suite, puis ça a été très clair que ça va être suivi de près, puisqu'il y a eu
du mécontentement par rapport à ça. Alors, on s'en occupe, on le fait. Oui, mais vous vous rendez compte que j'ai sollicité l'alerte au mois de novembre 2023. Oui, madame. Et que la ville n'a pas eu le temps en un an d'aller vérifier ça? Non, ils étaient allés. Et moi, je vous dirais que ce qu'il a fait comme continuité, en fait, son chemin, il aurait dû arrêter ici, il a continué jusque-là, puis il y avait un ruisseau. Je vais être honnête, hein. J'ai vu bien pire que ça, qu'on a eu dû sévir à des endroits parce que c'était pas la catastrophe ce qu'il faisait. Et à 800 mètres de distance, ça n'ensable pas un lac. Mais on va produire le rapport qui va vous être envoyé d'ici une semaine à peu près, je vais vous l'envoyer. Alors, on va pas... Il y a aussi un énorme marécage qui est là depuis et qui existe depuis là. Et j'ai vu que des terrains étaient vendus juste à côté d'un marécage. Là, présentement, il y a une belle... Puis, j'ai pas vu, je vais aller voir. Un beau barrage de castor, oui, qui a été construit et qui a refait donc le marécage. On va vérifier tout ça. Madame Fogg l'a noté. On va vérifier tout ça, madame. Parfait. Et maintenant, pour l'avenir... Avez-vous un programme environnemental qui se tient et qui va protéger les citoyens, pas juste nous, dans le monde, mais partout? Bon. Parce que le développement qu'il va y avoir derrière notre rue, le domaine des outards, entre autres, la rue des outards, c'est en haut. Donc, ça nous surplombe. Il va y avoir un déboisement massif parce qu'il va y avoir 80 combien? Je ne sais pas s'il y a 80, je pense que c'est 65 terrains, quelque chose comme ça. Il va y avoir un déboisement massif, il va y avoir des rues qui vont se construire, bien sûr, bien sûr. Et tout ça va faire en sorte, donc, un ruissellement, et où ça va aller? En bas, chez nous, et dans la cuvette du domaine lui-même. Monsieur Guy Lemay, qui est le propriétaire, avec Mme Lynn Mainville, sont à regarder avec leur ingénieur pour s'assurer que ça va être conforme. Ils ont des permis, ça va être fait par des ingénieurs, des biologistes qui vont être avec eux, et on va s'assurer que c'est bien fait. Mais vous comprenez qu'avec tout ce que j'ai vu avec M. Pilon, il y a de quoi s'inquiéter, parce qu'il n'y a rien qui a été vérifié par la ville. Il n'y a eu aucune entrave. Je vous dis que le mandat de vérification appartient, les ingénieurs qui suivent ces chantiers-là doivent vérifier ce qui se fait, ce qui n'empêche pas la ville, bien sûr, de le faire, mais on n'a pas juste une place qui se fait un chemin. Il y en a à bien des endroits. Oui, mais je pense que... on va le faire, madame. C'est bon. Merci. Je vous assure que les gens du domaine vont regarder, ils vont avoir des yeux et des oreilles. Oui, je sais. C'est bon. D'autres questions? Madame Duguay. Bonsoir, Gisèle Ducaire. Vous avez passé vite au niveau du dépôt des présentations pour le règlement sur la régie interne des séances. Quels sont les changements? Vous avez fait le mois passé, on les avait donnés. Et là, c'était... Vous les avez donnés le mois passé? C'est la régie interne. C'est quoi? C'est là où vous les avez à l'autre jour. Si vous regardez à la page... Attendez. C'est quel article? C'est le 4H. Dépôt et présentation. Dépôt du projet de règlement modifiant concernant la régie interne de séance du conseil. L'ajout de l'article 3.1 pour la participation à distance d'un élu aux séances selon certaines modalités. Alors, un élu pourrait, pour des raisons de maladie, exemple, je pense en était un, pourrait assister à la séance à distance. Le volet respect et civilité développé à l'article 9 et les pénalités modifiées en conséquence à l'article 41. Alors, c'est certaines modifications. Merci. Ensuite, 4K pour ce qui est de la politique d'utilisation des véhicules municipaux. Oui. C'est nouveau, complètement. Attendez, 4K. K. Ça, la politique. La ville souhaite établir des modalités d'utilisation pour les employés des véhicules automobiles, des véhicules lourds ou équipements municipaux loués par la ville. Alors, Ça concerne, il ne faut pas fumer dans les véhicules. Mais c'est nouveau complètement. En fait, c'est plus élaboré. Tu ne peux pas fumer, tu ne peux pas... On a le code d'éthique qui touchait certaines grandes lignes, puis là, c'est des modalités plus dans l'application. Au niveau des véhicules municipaux. Ouais. Comme par exemple, des usages personnels avec, j'imagine. Mais tu ne pourrais pas embarquer quelqu'un de ta famille, exemple, embarquer. Tu ne peux pas fumer.
tu peux pas, je sais pas ce qu'il y avait, là, tu peux pas manger en même temps que tu conduis, des choses comme ça. C'est un comportement, autrement dit, sécuritaire. Tout à fait. Ensuite, à la séance du 16 septembre, vous aviez parlé de la coop santé, oui. En disant que je pense que c'est le groupe de GMF de Sainte-Adèle qui avait de l'intérêt afin d'acheter, en fait, la coopérative. Est-ce que vous avez des nouvelles de ce côté-là? C'est encore en négociation pour voir, parce qu'il y a quand même le respect des règles au Québec des coopératives avant qu'elles se départissent d'un bâtiment. Et j'ai parlé avec M. Pascal Denis et Mme Lepage est membre du CA. Et ça continue à se travailler et ça cherche à aller dans le bon sens pour qu'on en arrive à avoir un groupe de médecine familiale, un GMF. OK. Donc, vous êtes là afin de, en fait... aider. D'aider et de, en fait, protéger... D'éviter que le bâtiment se vende puis que... C'est ça. Parce que vous savez, ce qui est malheureux dans ça, s'il fallait qu'on jase, là, on prend le pire des scénarios. La coop fait faillite. Le bâtiment est vendu. Il vaut 700 000. Il doit 250 000 en hypothèque. Le 350 000, savez-vous où il va? Le profit? À Québec. On le perd. Alors, c'est ça qu'il faut éviter pour garder le bâtiment, passer de coop à GMF et s'entendre avec des opérateurs, des médecins. Et les membres là-dedans, justement, les membres... Les membres sont respectés par le fait qu'ils ont 100 $ qu'ils ont mis, vous savez, initialement. L'adhésion. Oui. Et il va leur appartenir, parce que c'est un peu le but, de leur demander s'ils veulent le laisser pour que puisse arriver un GMF ou s'ils veulent leur part. Leurs droits vont toujours être respectés, mais ce n'est pas nous qui allons décider. C'est la loi puis les choix qu'ils vont faire. Okay. Voilà. Dernier oui. point, lors justement de la séance d'information concernant les changements aux règles d'urbanisme, il y avait un point concernant un garage justement qui aurait un garage ou en fait un abri. Un abri. Pour les quatre collines. Et ils puis on attendre. Avait parlé de mesures de vérification en fait parce qu'il va y avoir des sels, des abrasifs, etc. Non, ok, je vous réponds tout de suite. Au domaine quatre collines, il n'y a aucun sel. C'est seulement du sable. C'est qu'ils ne veulent pas que la pluie, puis tout ça, ça fait rendre dur. Alors, c'est un peu comme une demi-lune, hein, autrement dit, qui va un être dôme. Mis par-dessus, ouais. mais ils ne le feront pas tant que toutes les... C'est long, hein, vous savez, les usages. Puis, alors, tant qu'on n'aura pas passé tout ça, puis ça passe à MRC, ça va aller au mois de mars. Donc, ce sera que des abrasifs ou des sables? C'est du sable. Tout simplement. Donc, pas d'abrasif. Pas là, nécessité d'avoir des mesures ouais. Au niveau justement de la granulométrie ouais. ou de qu'est-ce ouais. que c'est, tout ça. C'est ça. Mais c'est dans le respect des règles et ils n'en veulent pas de celles. Ils ne veulent absolument pas de l'avoir. Très bien. Merci. C'est bon. D'autres questions? Madame Turner. Ma question concerne le domaine Nimet, oui. mais je ne reviendrai pas sur... Non, allez-y, Mme Turner. Je ne reviendrai pas sur les quatre collines. Je vous écoute. C'est pas ça, ma question. C'est, vous avez mentionné du projet de vider le lac et de le remettre en état. Oui. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Oui. C'est que la constatation qui a été faite, et ça, je pense que c'était unanime, c'est que le chemin où il y avait les trois ponceaux s'est ramassé dans le lac. Même un ponceau, un gros, qui s'est ramassé au bout du lac complètement, qui a été ramassé par après, là, par la ville. Et ce que M. Pilon, vous vous souviendrez, lors de la soirée, avait dit, on va demander, parce qu'on en avait parlé, on va demander au ministère un certificat d'autorisation, puis on a des appareils dans ce sens-là qui ont de l'huile végétale, vous ne pouvez pas prendre de l'huile normale là, qu'on utilise, et on va demander à ce qu'on puisse récupérer tout ça, de l'enlever pour redonner ces lettres de noblesse au lac. Oui. Le seul problème que je vous dis, soyez-vous dessus pour un bout, ça peut prendre jusqu'à 3 ans avant d'avoir le CA. Et on sait que l'année prochaine, il va y avoir des élections. Mm-hmm. Comment on peut être assuré qu'advenant qu'il y avait un changement de direction, mm-hmm. comment on peut être assuré que c'est ce qui est commencé, le projet commencé, va continuer? Ça va être dans les livres, ça va être déposé, la demande va être faite, ça va suivre son cours, quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive, il y a une traçabilité. Mais je vous dis, le ministère de l'Environnement, moi, je tombe des nues avec eux. Là, c'est d'une lenteur. Et on le voit par le domaine nature où il y avait
des infractions qui datent de 7 ans, puis ils ont encore à les étudier. C'est pas drôle, là. Ouais. Mais il y a, j'ai parlé avec la ministre France Duranceau, France-Hélène Duranceau, et je lui ai dit, il va falloir qu'on tape sur le flou. Et je connais le directeur régional, M. Alain Rochon, et je lui ai dit, M. Rochon, ça n'a pas de sens. Vous me répondez, merci, nous avons pris note de ce que vous nous dites. Autant que ce soit là ou ailleurs, là. Et quand on va demander un CA pour vider le lac de ses dépôts, il me semble, en tout cas dans mon livre à moi, que ça ne prend pas la tête à Papineau pour comprendre que si on l'enlève, ça ne prend pas 3 ans. Et monsieur, vous savez, M. Pilon a travaillé longtemps au ministère de l'Environnement. Il a une vaste expérience. Et il m'a dit, je serais surpris de l'avoir avant 3 ans. Mais on va pousser, nous. C'est ça que je veux amener à M. Rochon, entre autres, pour lui dire, ça n'a pas de sens. Je me souviens très bien qu'on a eu des dossiers, quand j'étais maire, 2013-2017, et qu'on a voulu intervenir dans un dossier, puis on nous a dit, bien, ça va attendre 1 an. Je dis, pourquoi? Parce que la dame est partie en congé de maternité et on n'a pas donné les dossiers à quelqu'un d'autre. Mais voyons donc. C'est pas comme ça que ça va. J'ai envie de répondre, on va être là dans 3 ans. Ben oui, on va être à la même place. Mais nous, on ne lâchera pas le dossier. Mmh. C'est clair. Okay. Merci. D'autres questions? Monsieur, content de vous voir. Vous allez bien? Papé. Monsieur Dancoste. Si vous ne connaissez pas, M. Georges Dancoste, du domaine Dancoste. Moi, j'ai une question, j'aurais deux questions dans le fond. Les services municipaux, ils se parlent-tu entre eux autres? Oui. Donnez votre exemple, ce que vous dites. Mon exemple, là, on va prendre l'éco-centre. Oui. Tu arrives là, et toi, non, vous n'êtes pas à bonne journée, monsieur. C'est marqué mercredi. Je suis mercredi, je vais dire chez SH. Oui. Mais dans le pamphlet, c'est marqué jeudi. C'est quoi? C'est marqué une autre journée. OK. Fait que là, je demande à l'information là-bas. On me dit, ça ne concerne pas, c'est l'urbaniste. Travaillez-vous dans la même ville? Attendez. Consultez-vous de temps en temps, quand vous préparez les choses. L'urbaniste s'occupe de l'éco-centre, qui est situé dans notre garage qui est là. Quand vous constatez une chose comme ça, appelez Manon ou appelez la directrice, puis ils vont vous régler ça. Oui. Parce que moi, la première fois, j'entends ça. Oui, mais ça fait plaisir parce qu'on se cogne. Fait que tu sais, comme on dit, vous aurez de l'aide pour un gros voyage à reporter. Oui. Tu voulais revenir le lendemain, là, je suis sûr. Bon, une autre question, c'est concernant le domaine d'Ancosse. Vous étiez au courant certain. Il y a un projet de construction de 15 logements. Moi, on m'avait dit 18. En tant qu'opé. Non, mais je vous donne l'heure juste. Ben oui, parfait, au moins. Je ne vais pas ça. Vous mentir, vous dire oui, c'est 15. Ce que j'ai entendu, c'est loin d'être un projet qui a été déposé et tout. Quelqu'un vient poser des questions, ce n'est pas un projet déposé. Non, 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 mais c'est pas ça que je pose la question avant que ça aille trop loin. Parce qu'entre vous et moi, M. le maire, on du conseil, tout le monde, c'est une rue, un secteur strictement résidentiel, unifamilial. Mm-hmm. Aller braquer en deux familiales un gros projet de 18 logements, puis en face, les gens qui sont là sont braqués avec un 18 logements dans une rue au complet comme ça, qu'on n'a même pas le droit de faire une intergénération. M. Dancoste, ce n'est pas fait encore. Non. C'est loin d'être. Oui, mais si on n'en parle pas. La personne vient poser des questions, puis vous savez, il y a toujours une grille qui permet de voir. Je connais les grilles de l'urbanisme. Et on s'entend-tu que le chemin, il donne sur des pins aussi? Le terrain donne sur les deux. Oui. C'est ça. Mais c'est loin d'être fait, monsieur. Non, mais parce que là, comme on dit, mais là, aimeriez-vous ça avoir 18 logements en avant chez vous? Non, c'est ça. Ce que je vous dis, c'est que ces discussions-là n'ont pas abouti, n'ont rien. On verra. C'est pas que c'est coulé dans le ciment, là. Mais avant que ça soit coulé dans le ciment, il faut s'en occuper. Mais on s'en occupe dans le sens suivant. Premièrement, on a une grille. Bon, la grille d'urbanisme, elle permet-tu? Je ne sais même pas, je ne l'ai pas regardé. Voilà. Ce que je vous dis, j'ai entendu que quelqu'un voulait faire un 18, pas un 15, un 18. Mais c'est la grille en haut qui va le dire, puis qui vont voir, puis c'est eux qui vont le traiter. Puis on ne fera pas un 18 s'il n'y a pas le droit de faire un 18, puis on ne fera pas un 4 s'il n'y a pas le droit de faire un 4. Laissez le dossier avancer, on va voir, puis on vous le dira, qu'est-ce qui va arriver. Je vais le suivre. C'est bon. Je vous remercie. D'autres questions? Alors, la séance est levée. Merci d'être venu. À la prochaine.